2018-2020, the gospel passage that we are going to read is taken from the Gospel of Matthew, chapter 22. Let's listen to it. In today's gospel excerpt, we admire Jesus' famous response to the Pharisees. The Pharisees wanted to trip Jesus, to make him make a statement that would harm him. So Jesus answered, "Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." The very tricky Pharisees had asked Jesus if the people should pay taxes to the hated occupying Roman government. Should Jesus answer yes to the question, he would at once be denounced as an enemy of his own nation, because the Jews hated to pay taxes to the Romans. But on the contrary, should Jesus respond no, the oppressive Roman army would surely execute him as a political troublemaker. Jesus displayed great wisdom in his response. He stated, "Give to Caesar what belongs to Caesar." In every society, there is a political system that has its rights and duties. Therefore, citizens, no matter the circumstances, are bound to certain inescapable civil obligations. This principle is undeniable. But Jesus added, "Give to God what belongs to God." That basic principle is too frequently ignored. Sometimes people want to honor Caesar. You mean at the moment of the Passion, the Jewish accusers of Jesus will say, "We know no one but Caesar." So Jesus added, "Give to God what belongs to God." When we choose to honor God in the first place, all subsequent decisions flow readily from that fundamental option. Then peace, harmony, and happiness flourish in human society. Jesus dodged the trick of the Pharisees by a simple statement of enlightening principles while avoiding to enmesh himself into messy political debates. We too must learn to stress in the first place the guiding principle of our faith and let all practical decisions concord with them. Beloved brothers, of course, you have to give to Caesar what belongs to Caesar. We have duties towards society, but our first duty is to give to God what belongs to God. Our heart, our decision, our conduct, seeking to please God above Caesar. Try to do that. Seek God. Seek God. There are some people, in their submission to Caesar, go on killing or lying or performing unjust actions. Seek God in the first place. Please do that, and you will be enlightened, and you will deserve eternal salvation. You will fulfill your destiny, because you are destined to share God's glory. May God bless you. Méditation sur la lecture du 29e dimanche simple, aujourd'hui le 18 octobre 2020. Dans ce passage du texte évangélique, nous voyons les pharisiens qui voulurent tendre un piège à Jésus. Ils lui demandèrent si les Juifs devaient payer la taxe arbitrairement imposée par le gouvernement romain sur la nation juive. Sous les pharisiens se disaient que si Jésus répondait oui, il perdrait immédiatement la faveur du peuple juif qui détestait les Romains. Si au contraire Jésus répondait non, alors il le dénoncerait aux autorités romaines
qui ne manquerait pas d'arrêter, exécuter Jésus comme rebelle, les Romains éliminaient dans le sang toute opposition. Jésus répondit à cette question piégée par cette déclaration très connue et très sage: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Essayons de pénétrer la sagesse de cette déclaration. D'abord, rendez à César. L'État dans tous les pays a des droits qu'il faut honorer. Nous sommes membres d'une nation. Jésus ne vient pas nous dicter le détail de tous les décrets politiques des États du monde. À nous d'exercer notre discernement. Mais en toutes circonstances, un ordre social est nécessaire et la justice doit être respectée, c'est indéniable. À cette première déclaration, Jésus en ajoute une autre: mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le principe le plus important que beaucoup ont tendance à ignorer. Peut-être nous-mêmes aussi. Nous cherchons à plaire à César et nous ignorons les droits de Dieu. Quand l'on honore Dieu, la méchanceté, la ruse mensongère, les idées meurtrières, la jalousie, l'injustice disparaissent inévitablement. La paix sociale, l'harmonie et le bonheur des peuples découlent en premier lieu de cette ouverture du cœur à Dieu. Nous ne pouvons pas accepter toutes les décisions de César. Parfois, César milite contre Dieu. Il faut prendre le parti de Dieu contre le parti de César. Les pharisiens, sans doute, n'ont pas compris cette leçon primordiale. Mais toi-même, je te supplie, accueille dans ton cœur cet appel du Christ que nous apprenions à honorer Dieu en première place. Dieu d'abord, et notre croyance en Dieu déterminera notre attitude envers l'état de César. Ne crions pas comme les Juifs à la passion. Nous n'avons pas d'autre Dieu que César. Notre Dieu, c'est le Dieu du Seigneur Jésus. Accepte sa domination sur ton cœur, sur ton esprit, sur tes décisions. Deviens un membre du royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Frères, c'est moi, c'est vous, bon Dieu bénigne. Nous-mêmes cap célébrer la journée jeudi, hein, qui c'est 18 octobre 2020, ça nous relève 29e dimanche ordinaire. L'an, la messe jeudi, hein, qui ça nous lit, nous voyons que pharisiens, yo, a cherché, mettons, piège pour Jésus tomber là-dedans. Ils viennent poser en question pour mêler. Mais Jésus a sagesse. Ils ont dit, est-ce que les juifs sont obligés de payer taxes la main César? On connaît que les juifs ont été raillis. César, qui c'est le gouvernement romain, donc ça a cherché mettre en piège, pour que si Jésus dit oui, c'est pour nous payer, juif à Braille, le juif a dit Nexa, li compte nous. Mais si Jésus dit non, il a dénoncé le ben Rome, et Rome t'est touillé, sans question, tout le monde qui était vraiment opposé, domination sur le peuple juif. Jésus, qui remplit avec intelligence, répondit. Belle phrase, ça, qui c'est leçon pour nous ramasser, je veux dire. Jésus dit, bye César, ça qui pour César, mais bye bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Ça veut dire. Eh bien, nous voulons pays, obligé de l'ordre dans le pays, hein, qui fait que vous avez des devoirs en face de l'État, obligé de ranger corps pour participer au développement bien nation. Mais en premier lieu, c'est bon Dieu. Au pays côté bon Dieu roi, que vous avez cherché, vous avez pris un bon Dieu, et bon Dieu moderne pour ne pas être vicieux, pour ne pas être volé, parce que vous avez l'État qui, passé l'ordre, tué innocent, et vous avez des fois soldats dans l'armée pour obéir l'État, pour aucun job, à tuer mon innocent. Vous avez des fois, vous avez des gens qui dans l'État vicieux volé, et vous avez des gens qui sont rentrés dans le coquin, qui sont rentrés dans le volé,
Parce que ça y a cherché, c'est royaume terre, royaume César. Jésus dit, obéis bon Dieu en première place. Si vous obéissez bon Dieu, quel que soit que vous ayez, même si vous persécutez, c'est pour chercher l'humilité, ou par le préjugé, ou par le retouillé monde, ou par le menti, ou par le vicieux, ou par le désordre, c'est pour tout un monde tout neuf. Obéis bon Dieu, et c'est leur obéir bon Dieu, ou joindre droit pour rentrer dans le pays côté bon Dieu roi, et se obéir bon Dieu qu'on apporte justice. Parce que César, c'est un joueur paix du bataille, nèg qui gagne véritable royaume qui a duré pour tout le temps, c'est bon Dieu. Croyez en bon Dieu. Acceptez Jésus, tant prie, acceptez pour remettre la vie au tout le monde tout neuf, et vous avez mérité. Rentrer dans le pays côté bon Dieu roi. Amen. Maman, qu'est-ce que c'est?
Mais m'a laissé chez moi pour pas tomber.